Maha, je la tourne dans la foulée. Et je vais mettre un chrono. Oui, j'allais vraiment repartir sans mettre de chrono. Tac, horloge. Minuteur, 1 heure. Non, pas 1 heure du coup. 1 heure, c'est déjà trop tard. Je vais mettre 50 minutes. Hop! La chance nous sourit. Je nous garde des à percevoir les Lungor à travers ses alliés humains. Créature m'a dit que le chef du culte était un homme du nom de Friedrich Kessler. Elle m'a même proposé de nous guider jusqu'au sanctuaire du culte au plus profond des égouts! Comment ça, les égouts? Non! Non, non, moi, on m'a parlé genre d'un cimetière, on m'a pas parlé des égouts! Putain de merde. J'ai marre des égouts! Et sur le DLC Roi des Tombes, qu'est-ce qui se passe? On est dans les égouts des Rois des Tombes. Oh, je suis sûr, ils ont fait des espèces de vieilles catacombes vides et sans âme. Bon, toi, tu me diras, les Rois des Tombes, c'est un petit peu genre sans âme, mais pas vide. Il y a plein de trucs, plein de pièges et tout. Je sais, j'ai fait genre une grosse vidéo dessus. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo des Rois des Tombes, je vous invite à aller genre la voir parce qu'elle n'est absolument pas monétisée. Donc vous êtes sûr de pas du tout me donner de thunes en le faisant. Et ça, c'est bien. Oh oui, les égouts! Oh, ça change la luminosité et tout! Oula, on joue! C'est un piège, forcément. Voilà! Et le gars, il a genre récupéré toute sa vie, quoi. T'éclises vraiment, tu sers à rien, espèce de vieux tas. Ouais, ah, ok, je viens de voir ma vie qui commence à tomber là. Très difficile. Va peut-être rendre le jeu en fait intéressant. Oh la vacherie de sa mère. Ok, très difficile. Très difficile, ça va rendre les choses. Ouh là 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 là. Ok. Oh là non, ok, très difficile, c'est pas que je mourrai en boucle. C'est juste que les ennemis. Mais tu es censé que les buter là. Ok, je me huile genre plus assez pour rester dans la mêlée. Oh, je suis lent. Bouge de la mêlée. Ok. Alors attendez. Je peux pas. Parce que je suis en plein combat, forcément. Oh, je vais mettre du temps à muter nous les porte-peste. Non, ça va. En vrai, ça va. Ils tombent quand même assez vite. En vrai, c'est les boss qui vont vraiment me poser problème parce qu'ils vont tomber en 8 siècles et demi. Qui est juste contre eux, j'arrive à me healer assez. Mais là, il y a un chef. En fait, ils sont deux chefs là sur le fight. C'est pour ça, je pense que je galère. Ouais, sinon en vrai, ils tombent bien. Mais voilà, c'est juste que là, il y a un héros de Nuggle. Ok, on va essayer de. Le chef homme bête prend pas tant de dégâts que ça. Ouh là là. Non, on recule. On va aller. Non, pas. Non, le pas. Non, alors. Non, ouais, voilà. Ok. C'est pour ça qu'il fait genre aussi mal en fait. Il met 800 siècles à mettre un coup. En vrai, ça rend le jeu vachement plus intéressant, très difficile là. Non. Faut vraiment que je fasse gaffe à pas me prendre de coups, ça c'est plutôt cool. Ouais, voilà, son gros coup là, si genre je ne l'esquive pas, limite il me fume. Ok, il va mourir. J'ai 1400% d'items en plus, pourquoi j'ai des vieux objets gris?
Bon, monsieur, il va falloir songer à Dai un moment. Bah alors? Merde, Braggy, je. Merci. Alors, quand on est seul, on fait moins la baline? Foiré, va. Tiens! Voilà. Parfait. Fouf! Eh bah, mine de rien, on rigole, mais. Attends, qu'est-ce que je fous, moi? On rigole, mais bon fight, bon fight. Franchement, là, c'était bien, là. Là, il y a du challenge. Quelle est forte peste, tape très lentement. En 1v1. Il peut me tuer, non, je pense pas. Hop là. Mais je fais ça sur tous les jeux dans le sens où même sur Warhammer Inquisitor là, je jouais en Martyr 3 ou je sais plus quoi, c'était n'importe quoi là. Ah non, 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 revenez, 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 revenez. Ah non, il a muté. Salaud. Oh oui. Oula. En fait, il manque de sort pour. Ah, pour sortir de la mêlée, quoi. Ah oui, c'est vrai que l'amas de Nurgling tape fort. Faut que je fasse gaffe à l'amas. On va dire que si je meurs, je repasse en difficile. On va essayer de pas mourir. Allez, boum! Mais il y a des super idées, genre ouais, moi j'aime bien là les Nurglings là qui font un. Qui forment une espèce d'immondice, je trouve ça trop cool. Je me rends pas compte si si genre le volume de la musique est trop fort. Ok. Oh, ben quand ça se calme, ça fait du bien. Apparence. Ah oui. Apparence de fan. Crête de tueur de démons. Ah non, mais ça me spoil les apparences. Pas envie que ça me spoil. Là, là. Pitié. Ouais, voilà. Non, mais là, alors. Là, voilà. Braggy, faire l'effort par pitié, Braggy. Par contre, je comprends pas, je suis censé avoir des dots. Je vois pas de dots, moi. Anneau d'apprenti, très bien. Ok, ça va devenir intéressant là. Bon, on va poule, hein. On va poule, on va poule, on va poule. Trois portefeuilles, c'est pas assez pour m'inquiéter. Nous, ce qu'on aime, c'est être inquiet. Bon, ça c'est pas assez pour m'inquiéter non plus, mais après ils me suivront pas, ils sont trop lents. Oh ça tape raide. Ok, bien. Sortir du cimetière pour aller dans des égouts, quoi. Non. Ah putain. C'est pas précis. N'empêche, on mériterait un vrai jeu. Dans le sens où il y a vraiment un back and slash de baiser à faire sur Diablo. Sur Diablo. Sur l'univers de Warhammer. Mais que ce soit Inquisitor Martyr ou Chaos Bane, on est d'accord pour dire que les deux sont pas incroyables. Car en fait, Inquisitor est très bon, moi je trouve. Mais. C'est vraiment sans âme en fait. C'est bien parce qu'on n'a pas. Parce qu'on n'a pas genre autre chose. Quelqu'un qui va me dire que son hack and slash préféré, c'est Inquisitor.
Victor, je vais lui dire, mais là c'est que tu t'es fait là c'est que tu t'es fait tabasser à l'école quand t'étais môme ou parce que c'est impossible que ce soit le jeu préféré de quelqu'un quoi. Le problème pour moi, le vrai problème, hein, c'est le feeling des armes. Le feeling est nul. T'as l'impression de frapper avec des nerfs. Genre, moi je sais que j'ai joué, attends, j'ai joué pendant très longtemps, j'ai joué un... J'ai joué l'Adeptus Mechanicus avec spé en invocation de Castellan. Et c'était drôle avec une hache. Non, tu vois, c'était drôle, tu vois. Mais à force, bon bah je me faisais chier parce que je faisais genre les missions en ultra dur et c'était genre en fait trop simple. Et je me suis dit après, bon, je vais jouer un Space Marines d'assaut là avec une grosse épée ou un truc comme ça. Et bah enfin quand tu tapes, t'as pas le ponk, tu vois. Juste bah tu tapes. Alors bon là, alors que là au moins, même si sur celui-là c'est pas clair, il y a un truc. Quand tu tapes, il y a un truc. C'est pas dingue, mais il y a quelque chose. Mais je pense que je vais redonner sa chance à Inquisiteur Martyr. Je vais y rejouer sûrement. Parce que genre, au final, maintenant que j'ai une chaîne spécialisée dans l'univers de Warhammer, bah ça me laisse aussi la possibilité de jouer à tous ces jeux-là, quoi. Après, comme j'ai dit, j'ai vraiment envie de pouvoir aussi jouer aux Souls et aux Souls-like. Parce que c'est vraiment des genres de jeux que j'apprécie énormément. Mais ça, je pense que je verrai avec le temps. Pour l'instant, c'est vrai que la chaîne est encore très neuve, quelque part. T'as même pas un coffre, quoi. Enfin, dire, la chaîne est encore très neuve. Ça fait à peu près un mois que je l'ai créée. Donc, autant que pour le moment, je me tienne un peu au matériel de base, c'est-à-dire l'univers de Warhammer. Et ensuite, c'est vrai que. En gros, c'est simple. Mes jeux de cœur, enfin, le style de jeu que j'aime le plus, c'est évidemment les RPG. Les RPG, les Souls-like, voilà, et les roguelike. Je suis un gros fan de roguelike, j'adore ça, les roguelike. Et j'en ai fait plein. Il y en a pas assez peu que j'ai terminé à 100%. Mais par contre, il y en a un que c'était une super belle découverte. Assez peu de gens y ont joué, je crois. Mais c'est Curse of the Dead God. Curse of the Dead God, je l'ai trouvé excellent. J'avoue que je l'ai pas terminé, genre j'ai terminé les premiers étages de la pyramide finale, mais j'ai pas non plus tryhard jusqu'au bout. Par contre, j'avais quasiment toutes les armes mystiques et tout, c'était cool. Et évidemment, Binding of Isaac, mais Binding of Isaac, j'y ai pas assez joué. En fait, j'ai pas pris le temps d'y jouer. En fait, c'est très bête, hein. Mais moi, quand je joue, j'aime bien pouvoir créer en fait quelque chose. Et rien que le fait de jouer pour une chaîne ou pour juste. En fait, ça, on va dire que là, c'est que ça m'encourage à jouer quelque part. Si. Enfin, sinon, je prends pas le temps de jouer. Ce qui est un peu con finalement. Hop. Hop. Fait longtemps que j'ai pas eu d'objet jaune alors que j'ai 1300% là, 1400. Oui, du coup, finalement, très difficile. Je suis à 1700% de qualité de butin. Oh. Alors, qu'est-ce que j'ai gagné? Attends, c'est l'amélioration de quoi? De ça. La rage dure plus longtemps et est plus efficace. Dégâts plus 1%. Dégâts plus 1% comment dire? Par palier de rage. Ou dégâts plus 1% parce que je gagne 1% de dégâts. On va le prendre, hein. On va bien voir. Hein. Compétences de guilde. Ah, ça, c'est aussi des slots pour les compétences. Est-ce que je peux mettre, genre, les deux? Possiblement. N'empêche, ça fait du bien d'être dans un cimetière. Même si c'est des assets reused à mort, ça fait du bien. Oula, 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 oula. Prends le cher là. Ok. Alors excusez-moi, faut que je me remouche, mais là je vais mute en vrai. J'arrive.
Ah, ok. Nous y voilà. Non mais arrête de t'accrocher dans les tombes. Ok, ça fait quoi comme dégâts? Ok, ça fait quand même des bons dégâts. Genre s'il y en a 5 ou 6 devant moi qui me font ça et que moi je suis là en mode je bouge pas, je meurs. En fait, on va faire un truc. On va considérer que mon personnage est en mode hardcore. Si je meurs, tant pis pour ma gueule. J'aime bien parce que je le dis, mais si je meurs vers la fin ou si je meurs à un moment, je vais me dire non. Oh oui, du rare, cool. Cool. Une armure. Oh, elle est un peu naze, non? Moi j'aime plus d'armure, de résistance aux dégâts sur la durée. Mais c'est quoi ça, résistance aux dégâts sur la durée? Ça n'a aucun sens. Dégâts de riposte, 22 de qualité de butin. Bah, tu sais, quand je suis déjà à 1700% de qualité de butin, 214 d'armure. Ah, quand même. 444 de santé max. Je perds de la santé max, somme toute. Bon, pff, ça change, pourquoi pas? Pourquoi pas, pourquoi pas? Du coup, ça m'emmène à combien? 1721 qualité de butin. Yes! Ah, oh, ça va vraiment tout changer! Si je passe au milieu, il se passe quelque chose? D'accord, je peux juste pas passer au milieu. Voilà, ça manque de petits trucs comme ça, des événements, je sais pas, je passe là au milieu d'un chemin et il y a genre un mob qui fait, je sais pas, moi c'était ma tombe depuis 800 ans, tu vas mourir mortel! Et puis ensuite, je sais pas, je le fume en trois coups de hache, c'est pas grave. Mais juste, ça manque de choses. Et puis pareil, je viens genre de me rendre compte de ça là, mais les tombes, les caveaux, il n'y a pas un seul où j'ai pu aller dedans. Tout est clos, tout est fermé. Dans un jeu, on est d'accord qu'il y a des codes. Et dans ces codes, il y a, quand tu vas dans un cimetière, t'auras des tombes à explorer. Du coup, tout ça, c'est des hommes bêtes. Oh ouais. Oula, 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 oula. Attends. Pas faire le con là non plus là. Il faut que j'utilise une potion de vie, j'ai pas le choix. Oh, c'est chaud. Oh, c'est chaud. Oh la vache. Oh la vache. Attends. On va récupérer. Yéhéhé. Oula. Attends, qui c'est qui me fait autant de dégâts? C'est lui. Foiré. Ok, alors lui, je lui mets la max. Ok, ça va. C'est bien, c'est qu'il n'est pas très résistant. Nurgle, je me suis toujours dit que c'était probablement les plus chiants à pouvoir tuer parce que ils ont de tout, ils ont des mages, des guerriers, des machins et tout. Mais ils tankent tous bien. Et ils se healent aussi énormément. Ce qui fait que en fait, les mages, ils sont peut-être un peu moins forts en termes de puissance brute que les mages de Tzinch. Mais je vois pas pourquoi ils seraient moins puissants que les mages de Slaanesh. Sauf que ils sont vachement plus tanky. Ah oui, ils sont lents. Attends, du coup, il faut que j'aille là-haut. J'ai la petite flèche qui m'indique. Parce que c'est vrai que je suis un enfant de 3 ans. Et j'ai besoin qu'on m'indique d'une flèche, une carte où dans tous les cas, il y a juste un couloir. Avec 3 petites intersections, histoire de dire. Voilà, il n'y a pas de tombe ouverte. Ça me frustre, bordel. Je suis un joueur, moi, madame. Je veux des portes ouvertes. Oula. Oula, non, non, pas de sweet death qui tienne là. Pas de sweet death qui tienne du tout, frère. On mourra pas ici, je te préviens. Ok. Ok. En fait, c'est hyper fort, mon rond. Parce que quand il y a plein d'ennemis, ça tape un peu tous les ennemis. Mais quand il y a que un seul ennemi, en fait, ça défonce un mec. Aïe. Mais c'est ce que Georges disait tout à l'heure, hein, finalement. Hein, c'est que les porte-peste tout seul, Joseph tire complet. Mais quand ils sont un peu nombreux,
Genre 3, rien que 3. Si genre je reste dans leur coup, je suis pas bien, je pense. Ah mais c'est vrai que j'utilisais plus mon lancer de hache. Oh la barre de vie du bousin! On recule. Bon, on va se faire tous les adds, hein, tant pis. Hop, hop, allez, voilà. Allez! En fait, le gros souci, c'est ça, c'est que ça. Ah, ça tank. Je suis en plus. Il se passe des trucs en bas de mon écran là. Je vois un rond rouge qui genre tourne. Je sais même pas ce que c'est. Oh la vache, au corps à corps, il tape fort l'homme boucle là. Oh, tu te calmes, Titouan. Attends, y a pas de coffre. Ok, on va aller au centre de tout. Y a rien. Bref. 3 Nurglings. 8 Nurglings. 5. 28. Ok, beaucoup de Nurglings. Hop, allez, allez, hop, 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 on stack mal. Ah, j'ai l'impression que je fais genre des dégâts de zone un peu. Genre quand je tape un mec, ça fait des... Oh la vache, c'est quoi ça? Ok. Un Minotaur de Nurgle? Oh la saloperie! Non, par contre, un Minotaur, voilà. C'est typiquement, n'importe quelle créature immonde du vieux monde, tu rajoutes deux Nurgle, ça devient un enfer. Parce que tu sais que ça tankera. Beaucoup trop. Bon alors ça dit quoi en 1v1 pur? Ok. Mollet. Olé. C'est interpile. Olé. Ah non, j'ai voulu le troller. J'ai voulu le... Trollé! Bon, ça va, il tank pas tant bien que ça. Olé! Là, il devient rouge. Il est passé en P2. Oula, la tombe. Oh non, mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Qu'est-ce qu'il fout là? J'ai pas clean la zone, moi! Il y a un sorcier. Ou c'est la merde? Oh, no joke, c'est la merde. Oh non, c'est une zone de heal, sa merde! Fils de pute. Ok. J'ai presque envie de claquer mon... Ok, il pourra pas passer là. Presque envie de claquer mon L2 là. Pas beaucoup de dégâts mon L2 hein. Peu de la merde hein. Non, 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 arrête de healer. En vrai, c'est chaud de fou là. Ok, c'est bon. Oh, il est revenu full vie lui. Mais pourquoi je vais dedans, moi, là là. Ok, je peux le trade. Je peux. Mais attaque-le! Attaque-le lui! Ok, il est genre passé en P2. Je pense que là par contre je peux plus trade. Comment ça il m'a touché quoi?
Ok, on va voir pour le trade. Faut se bouger. Oh les dégâts. Mais Bragi. Ok. Oh la bête. Oh la bête. Oh la vache. Il m'a mis mal lui. Enfin, il m'a mis mal, mais challengement parlant, il m'a mis bien. Finalement, le jeu est assez oui, ça passe en très difficile. Il se passe un peu des choses quoi. Plutôt que de faire du bashing de mob brut et voilà où tu genres tout le monde en 2-2 là. Là il y a là. Il s'est passé un truc là. Surtout vu que je me suis dit que je jouais en mode hardcore. Mais le gros problème de jouer avec ce mode hardcore là, c'est que bon, l'histoire m'intéresse quoi. Si tu me dis que là je vais dans des égouts, je pète un câble. Je ne veux pas, entendez-moi bien, je ne veux pas aller dans des égouts. Ah c'est niette. C'est non. Zevor Bidon. Pitié, pas les égouts. Pas dans la cave. Pas dans la cave. Oh la vache, le Kevinard il est possédé. Ok. Let's go. Ah mais c'est un nouveau pan de village ça. Bien, bien, bien. Bon. Non, c'est pas un nouveau pan. Petite pause mouchage, j'arrive. Heinrich Voss. Nouvelle compétence Fury. Oh, why not? Tout pour que je tape plus fort, de toute façon. Voilà, on va. Fury. Ça, c'est niveau 16. Génère de l'énergie. Ce dommage qui inflige saignement. Oh d'accord, bien. Coup de hache qui ignore l'armure des ennemis en fonction de la rage accumulée. Ah ouais, mais... Ouais. Non mais en vrai, qui ignore l'armure des ennemis. Oh, je vais le mettre à la place de Mwix. Wings. Comment il tape? Ouais. Bon, Joseph. Hein. Oh non, ça y est. Ah mais j'ai 13 drains de vie de santé. 13 drains de vie de santé pour l'instant, je garde. Trop important. Par contre. Alors, son temps de recharge, coup critique, 165 de dégâts. Ouais, mais la perforation d'armure. Mais du coup, j'ai pas besoin de la perfo d'armure au final. Donc, autant que je prenne ça, vu que j'ai pas besoin. Oh, ça a l'air de faire une. Ah, ouais, ça a l'air de faire un bon cône quand même. Ok, pourquoi pas. Ah, avance.
Donation. Hop. Oh. Ouh. L'apparence de métal. N'empêche les tueurs nains. Bon, je sais qu'ils doivent mourir au combat. C'est pour ça qu'ils sont à poil. Mais tu me fous. Des centaines de nains tueurs. Double hache, gros marteau, ce que tu veux, tu vois. Mais avec des grosses armures, avec des pics, ce serait incroyable. Ce serait juste la meilleure armée ever, en fait. Les mecs, ils seraient imbutables. Bah, en fait, au final, ce serait les... Ça deviendrait les... Ah, comment ils s'appellent, l'équivalent chez les nains du chaos, là? C'est les... Merde! En plus, il me semble que je l'ai même abordé dans la vidéo de lore que j'ai fait. J'oublie leur blasme, ils sont incroyables. Ils sont incroyables. Pour moi, ça, c'est vraiment la... De toute façon, les nains du chaos, pour moi, c'est la quintessence de ce que doit être un nain. Voilà, voilà, je le dis, je le dis, je le dis. Allez, faut que je me bouche. Oh putain, on est marre. Oui, c'est vrai qu'au final, Voss... Voss sont bien entendu prouvés par A plus B qui pue la merde. C'est à la fuite de tatouages complexes sur les fanatiques que vous trouverez. Ouais. Oh non. Vous savez ce que ça veut dire. Vous savez ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on va aller faire un petit tour dans les égouts. Eh oui. Mais oui. Eh bah, c'est bardi. Je veux dire, les hommes bêtes, ils se cachent genre aussi dans les forêts, quoi. Bon, après, c'est vrai que les hommes bêtes de Nurgle, je comprends qu'ils genre se cachent dans les égouts, quelque part. Non, mais c'est vrai. C'est vrai que, on va dire que ça peut être lore accurate, mais le fait qu'il n'y ait pas un seul... Skaven. Alors je sais que bon, les Skaven c'est une légende, tout ça, tout ça. Mais là on y est. Est-ce qu'il y a des Skaven dans le jeu? Bonne question. En parlant de Skaven, ah oh ouais, du Verminted là. Oh ouais, un petit Verminted. Ah ouais, ben, c'est vrai que c'est cool quand même, Verminted, j'aime bien. What? Mais attends, mais je suis juste. Mais. Ah bon? Mais comment ça se fait qu'ils soient juste là, les ennemis, là? Oh là là, oh là là, oh là là, je l'ai préparé. Ouais, par contre, on tape ultra fort, là. On tape ultra... Ah ouais, c'est Stokos. Par contre, ça a zéro portée, quoi. Ça a zéro portée, ça clive pas beaucoup, un peu quand même. Ok. Mais attends, mais qu'est-ce qu'ils foutent là? C'est ce que j'appelle une invasion là. Ok, 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 il y a un Doomstack, pas mal. Bonjour messieurs. I've lost the blood rush. Ah, mon énergie remonte pas vite, hein. Ok, viens là toi. Oh oui, je tape. Oh oui, le slow fait du bien. Alors. T'as la ferme maintenant là. Bon ouais, ça tape plus fort quand même. Ouais. Oh ouais. Ok. Y a aucune comparaison possible. Oh, le vitrail est joli. Le vitrail est joli par contre. Non mais la garde elle est où? On se fait envahir les gars là. Faudrait peut-être juste songer à se bouger le cul, non? Tu me diras, je génère autant d'énergie. Je génère même plus d'énergie en faisant ça finalement. Wow, 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 wow,
Oula là là là, oula 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 oula. Oh la connerie. Oh, j'ai failli me faire Doomed. Oh la vache. Oh le poids. Oh putain, le poison, il tape tellement fort. Après, on va prendre une petite potion, on va attendre que ça remonte un peu. Wouah, j'ai failli me faire exploser la tronche là. Oh. Et là, il aurait vraiment fallu que je vois si je me faisais le jeu en mode hardcore ou pas. Parce que j'ai quand même envie de voir la suite de l'histoire. Donc bon, on voit, on verra. Encore! Tout ça pour que je finisse dans un égout. Oh la vache. Oh la vacherie de sa mère. Sa mère. Non, 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 là-bas, oui, voilà. Faut qu'on se fasse les... Faut qu'on se fasse eux d'abord, là. Ok. Partir sur un petit île. Bon, il commence à me saouler, lui, là-bas, là. Ok. Il en invoque! En foulure! Ok, c'est bon. Ouf! Oh la vache, mais par contre, si je me fais genre entouré. En vrai, non, ça va. Wouah! Oh, c'est chaud! Encore! Oh non, pas lui! Oh non, oh non, oh non, oh non! Oula, alors là, les gars, je vais vous le dire, là, ça sent la mort. Entre nous, je pense qu'on peut se le dire. Ok, je vais utiliser le lancer de hache, je pense, hein. L'avantage, c'est que ça transperce les ennemis, quoi. Lancer de hache, trop bien. Lancer de hache, c'est top tier. Avec l'idée du build de saignement, là. Je pense qu'une fois que je l'aurai... Franchement, ce sera mon... Ce sera genre mon goat pendant un temps. Bon, lui, ça va, il a l'air d'être moins... Ok. Alors, du coup, maintenant, on en 1v1. Grande question. Ça, je mets 500, 500, 600, 500, 600, 500, 600, 900. Oui, voilà, de temps en temps. Et comme ça. Ah. Je pense que je mets plus de dégâts comme ça. Oh la vache, les damage. D'accord, lui aussi fait popper des Nurglings. Ok. Non mais... Bon, je vais arrêter de dire non mais... Ah oui, lancer de hache, c'est mieux. Niveau 16, lancer de hache supérieur, voilà. Oh oui mon gars. Ça va vraiment faire la diff par contre dans les fights là. Il est où mon lancer de hache?
R. Oh oui mon gars. Oh let's go. Alors dis-moi que ça change là de l'anime. Ah oui, il y a des espèces de... Il y a des espèces de traînées. Des égouts, toujours des égouts. Des égouts, des égouts, toujours des égouts. Ouh là là, ouh là 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 là. Ok. Chaud ma main là. Ah, ok. Ils prennent combien de dots? 419 de dots? C'est énorme. Attends, je vais être sûr de mon dot là. Ah ouais, ils prennent un lourd dot. Ah ouais, c'est bien le saignement. Ah ouais. Ok. Enfin 200, mais c'est déjà ça, hein. Par contre, il faut vraiment l'utiliser en boucle, quoi. Sinon, les mecs saignent pas longtemps. Ah, en vrai, maintenant, il me fait un peu peur, les Nurglings, là. Parce qu'entre les Nurglings explosifs, ceux qui se stackent en mode coalition, et ceux qui tapent fort... Oula, 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 ok, c'est la mort, là. Je reconnais, là. J'ai eu chaud de fou. En vrai, là, j'ai eu chaud de fou. Ma vie, elle le fait, hein, de ces yo-yo. Allez, saignez! Monstruosité monstrueuse! Parfait. Ok, il y a un coffre là-bas. Oh, toi, tu vas te faire foutre, toi, mon gars. Oh! Oh, les belles bêtes! Alors, qu'est-ce qu'on a? On a de l'armure, on a de la santé, on a son coup, de la qualité de butin, on va prendre. Bon, ok. Ok. Oh, bah, oh là oui, oh la vache. Oh ouais, vas-y. Ouah, par contre, la gueule de l'âge est trop cool. Ah oui, non, mais merde, attends. Ça me donne de la vitesse d'attaque, j'aime bien quand même, hein. Je suis désolé, hein. Comme ça, peut-être son recharge, beaucoup de dégâts, du drain de santé. Oh oui, alors là par contre j'ai un flow. Alors là par contre j'ai un style. Là je suis patate. Ok, attends, le chrono est quasiment fini. Donc il me reste 15 minutes. De pouvoir record, attends, 15 minutes, 15 minutes, hop, en 15 minutes, j'espère que je vais pouvoir finir le donjon. Ça m'arrangerait grandement.
Oh le saignement, j'ai l'impression que ça m'aide quand même bien à clean. Saloperie de Nurgling. Non, 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 non. Voilà, tu pèteras pas, mon salaud. Oula. Va falloir être préparé là sur les potions là. Non, ça va? Ça va, j'ai réussi à clean. Putain, même les rats, ils veulent me fumer la gueule quoi. Oh là là, d'accord. Oh la vache. Oh la vache. Oh t'es pas beau. Oh t'es pas beau. Il va avoir 20 000 putain de PV le machin. Enfin 20 000 PV ça irait. Il va vraiment falloir que je clean tout ce qu'il y a autour. Ok par contre il tombe vite. Le saignement, je sais pas s'il fait des dégâts en fonction des PV, des HP max des gens ou pas. Attends, il saigne pas là. Je sais pas. Des fois il saigne, des fois il saigne pas, c'est bizarre. Bon, en fait, il y a un truc, c'est que vu que on se tape tout le temps les mêmes environnements et vu les mêmes monstres, dès qu'il y a un truc qui change. Dès que là il y a un peu de bois, un couloir, quelque chose, on est là en mode ouais, trop bien. On va dire que c'est cet avantage qu'offre le jeu, c'est que dans sa médiocrité, on est là. C'est fou. En vrai, je dis ça, mais là je suis un petit peu. Je suis un peu méchant. Massacrer l'invidèle. Arrasez-lui les bras et les jambes. Pourquoi je fais un accent allemand? Pourquoi je fais un accent allemand? Ok. Oh non. Oh non, ah non, oh non, oh les dégâts. Il m'a fait mes chiens. Ok, il faut bien qu'on clean tous les mobs. Une fois qu'on aura clean tous les mobs, on aura juste à kite la grosse bébête, ça ira. Tout que le saignement, notre joke devrait faire quand même un bon taf. Ouais, ça va, elle prend cher de fou. On a juste à la kite la grosse bébête, ça passe. Oula. Mais oui grosse bébête. Mais tape, pitié, brangui, brangui. Oh elle est tellement lente, hein. Allez hein. Tatouage dessus. Oula oui. Je m'en doutais. Hop là. Tatouage de tueur de géant de Karazakarak. Plus d'armure, résistance aux dégâts sur la durée. Plus de santé, plus d'énergie. Celle-là elle fait qualité de butin, je m'en fous. Dégâts de riposte. Plutôt prendre ça. Parce qu'en vrai la qualité de butin, je suis déjà à 1722. Ça va. Je suis pas à 20 près quoi. Bon avant d'aller buter le chef, il faut que je me fasse tout le monde. Ah oui d'accord, après c'est sûrement la sortie, ok. On va clean tranquillement parce que je vais sûrement devoir le kiter de toute façon. L'avantage de jouer dans ce genre de mode de difficulté, c'est que t'es obligé de faire des stratégies. Et moi je trouve ça sympa. Il prend cher? Ça va. Ouais, ça va. Bah, ok, bien ça. Vas-y, mon gars, vas-y, frappe.
Ok, bon, d'accord, il soigne tous ses potes en zone. D'accord, il est insup quoi. Heureusement que je les poule alors qu'il y a personne. Oh, l'enfer du gars. Voilà pourquoi, à mon sens, hein, Nurgle, c'est probablement un des dieux les plus forts. Et pourquoi ils viennent en boucle là? Cassez-vous! Oh, t'as pas un chat à les niquer toi? Tire-toi, nom de Dieu! Bon, heureusement, son moveset. Ça va quoi. Allez, hein, à plus tard. Donne-moi ta peau. Allez, cassons-nous des égouts. Oula, 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 c'est chiant. Oula, c'est chiant ce qui va se passer là. Ok, bien. Ouah, j'ai eu chaud. En vrai, j'ai eu chaud là, je pense. Ok, il me reste combien de temps avant que ça cut? 6 minutes. 6 minutes pour buter la grosse bébête et aller voir Vos. Ça va, ça va le faire. Ok, je peux pas rester dans le poison. J'ai voulu faire le test, voir si je pouvais brute force comme un âne. Non. Bonjour, non. Déjà qu'elle est lente quand tu la slow, c'est un délire. Non, non. Allez, casse-toi déjà, bah. Ok, pas mal. On a juste le petit pan là-bas, aller voir. On va tout récupérer quand même. Il y a un coffre là, il y avait un truc, oui, voilà. Ouais, cool. Nouvelle crête, c'est ça? Je crois. Non. Pas de nouvelle hache. Pas de nouveau camp. What? Ah si, nouvelle crête. Crête de tueur de géants de Balagval. Non, on verra. La mienne est bien. Ah, y'a un autre chemin. Ah, c'est pas qu'il y a un autre chemin, c'est qu'il y a un chemin. Personne. Pour ça qu'il y avait autant de monde là-haut. Tous les meufs qui étaient là, ils étaient venus me faire chier. Ok, bon, on va faire un petit point l'or.
faire un petit point alors. Et ensuite. Ouais, ça a été là. C'était une bonne grosse VOD, ça. Dis donc. N'empêche, ouais, je vais rester pour l'instant en très difficile, mais si je vois que ça entrave trop la pro. La. Non, je sais plus. La progression. Voilà, merci. La progression. On retournera peut-être en difficile si je vois que les donjons deviennent trop longuets. En tout cas, je suis passé niveau 17. J'ai un débloqué niveau 17, moi. Ça, niveau 18, large coup de hache en arc de cercle. Inflige saignement aux ennemis. J'ai tonnerre de l'énergie. En fonction de la rage accumulée et les attire. Ça inflige saignement aussi. Oh là là. Oh, en fonction du nombre d'ennemis proches victimes de saignement génère de l'énergie. Oh là là, ok. Bon, faut que je me bouge avant que la vidéo se cut. Non pas que ce soit de mon fait. Mais comme ça, au moins, je vous laisse sur un point. Un bon point alors. Hop! Ok, c'est tout? Moi, très bien. Bon bah je vais aller voir Teclis et tout, puis si ça se coupe, vous aurez ça au prochain épisode. Déjà, hop. Dans les profondeurs. Eh bien, ce sera dans les profondeurs, donc. Donc, dans les égouts. N'est-ce pas? J'ai pas raison? Ose me dire que j'ai tort? Alors? Oh non? Quoi? Non? Ah voilà. J'ai vraiment cru que je m'étais. Ça m'a pas l'air d'être. Hein? Oh! Est-ce que la prochaine map qu'on aura, ça ne sera genre pas des égouts? On le saura dans le prochain épisode! À bientôt!